Bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que vous avez passé une belle journée hier. Et aujourd'hui, samedi 11 avril, c'est notre rendez-vous quotidien pour la lecture du poème du jour. Aujourd'hui, c'est parce que ton ailleurs est ici. Et toi, il est comment ton paradis? Ton ailleurs aux mille couleurs, ton cocon, ton abri, ton petit nid, celui qui tapisse ton cœur de douceur. Chez moi, plus qu'une forêt, c'est un grand bal d'été, et dont l'immense parquet est recouvert de fleurs. On peut entendre les plantes et les arbres chanter pour que les montagnes et les lacs dansent et s'effleurent. Il y a des cascades et des chutes d'eau, des clairières où se reposent les animaux. Chaque arbre porte en ses branches un oiseau. Ici, chaque être est un trésor, un cadeau. Ici, la terre épouse l'univers. On peut sentir l'odeur de l'air. Il porte la paix comme un parfum pour réveiller l'essence du chemin. Et toi, il est comment ton paradis? Ton ailleurs aux mille couleurs? Ton cocon, ton abri, ton petit nid? Celui qui tapisse ton cœur de douceur. Peut-être ne l'as-tu pas encore trouvé. Tu l'as sûrement trop bien caché. Ferme les yeux, laisse-toi aller. Tu vas pouvoir le rechercher. Et tu pourras y retourner quand tu devras te ressourcer. Il est un puits inépuisable et au pouvoir inestimable. Alors, si ton cœur se fait peau de chagrin, arrête-toi de chercher dehors en vain et rappelle-toi de ce jardin. Si j'ai le mien, tu as le tien. Ton âme, qui sait ce dont tu as besoin, y a semé les graines de ton destin. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un très très bon week-end. Et je vous embrasse et je vous dis à demain.